Impossible de passer un coup de fil sur les sentiers du Valdez. Impossible donc d'appeler les secours en cas d'urgence pour les randonneurs, mais pas de quoi freiner Jérémy et sa famille qui s'équipent pour une promenade de quelques heures. C'est vrai qu'à faire des randonnées avec des petits en bas âge, comme on peut faire nous, ça peut être dangereux au niveau d'appel des secours, etc. Et ça change les choses dans votre approche de la randonnée? Est-ce que vous allez être plus vigilant ou... Oui, évidemment, plus vigilant par rapport à ça. Au même moment, la balade touche à sa fin pour ce couple d'Allemands. Merci. Et le téléphone portable ne fait pas vraiment partie de leur équipement. Je pense qu'il faut avoir des bonnes chaussures et pas des flip-flops. Mais bien chaussé ou pas, randonneur novice ou habitué de la montagne, personne n'est à l'abri d'un accident. Le premier refuge en cas de problème, c'est la bergerie de François Nicolai. Des fois, il nous arrive d'être à table à 8h30, 9h le soir, d'entendre taper à la porte, et d'ouvrir et de voir que ce sont des gens qui sont perdus. Alors bon, on les fait manger, on les fait dormir. La bergerie n'a pas de ligne fixe, alors seule solution pour téléphoner, marcher un quart d'heure jusqu'à l'antenne relais la plus proche. On est abandonné. Ben oui, parce que bon, je pense que dans d'autres régions, le portable passe. Le gouvernement s'est engagé à une France 100% connectée au réseau mobile en 2022. Pourtant, aujourd'hui en Corse, il n'est pas encore possible de téléphoner et surtout d'appeler au secours partout.